Salaison Besson est une entreprise familiale dont la mission est la fabrication et la transformation de produits de boucherie et de charcuterie. Avec les années, une large gamme de produits s'est ajoutée. Mais avant d'en venir à tous ces produits et à la reconnaissance qu'on connaît pour cette entreprise, il y a eu plusieurs étapes à franchir. Tout commence en 1945 lorsque la famille de Marcel Besson ouvre un magasin général à Sainte-Jeanne-d'Arc. Dans ce magasin général, on y trouve un service d'abattoir et de comptoir de détail sous les conseils du grand-père Louis Besson, lui-même charcutier français. Malheureusement, en 1958, le magasin est détruit par le feu. Tout est à recommencer. Par contre, ceux qui connaissent les Besson savent qu'il en faut plus pour les arrêter. L'année suivante, Claude Besson et son épouse Lucie inaugurent une boucherie à Dolbeau sous le nom de Marché Besson. Ils y travailleront pendant près de 10 ans avant d'acheter, en 1968, l'actuel commerce qui était jadis un abattoir. Par la suite, en 1978, M. Besson crée avec son épouse, ses trois fils et sa fille les divisions Salaison Besson et Salon de la viande. Les activités de charcuterie prennent alors toute la place. Depuis, Salaison Besson n'a cessé de croître. Il s'est agrandi, a développé ses produits et les a exportés à l'extérieur. Par exemple, en 2002, 250 000 $ ont été investis afin d'agrandir et de rénover l'emplacement. En 2003, Salaison Besson effectue une percée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Chibougamau-Chapais avec ses produits dans les marchés d'alimentation et dans les restaurants. Dans les années suivantes, ils ont ajouté à leurs produits une sélection de mets chinois, de pâtisseries et de boulangeries. En 2008, un autre agrandissement est effectué, ainsi qu'une modernisation des équipements nécessitant un investissement de 400 000 $. En 2009, Salaison Besson poursuit son expansion en proposant ses tourtières et ses tartes aux bleuets typiques du Lac-Saint-Jean à Québec et à Montréal. Cet hiver, un tout nouvel investissement de plus de 200 000 $, soit la démolition et la reconstruction à neuf de 6 salles de transformation et de cuisson des viandes. Aujourd'hui, après plus de 45 années d'expérience, Salaison Besson offre une très grande variété de produits fabriqués sur place. Partout au Québec, on reconnaît les produits Besson, tels que les crotons, le boudin, la tête fromagée, les groules et la fameuse tourtière du Lac-Saint-Jean. Salaison Besson est maintenant présent dans les supermarchés, les restaurants, les services de traiteurs et les camps forestiers. Salaison Besson, c'est une entreprise familiale. Depuis les tout débuts, 5 générations de Besson ont travaillé pour l'entreprise qui compte aujourd'hui entre 50 et 60 employés. Au fil des ans, les méthodes ont bien changé, mais le but est toujours resté le même. Pour M. Besson, la mission de Salaison Besson a toujours été de fournir des produits d'excellente qualité à des prix compétitifs. Des produits faits de viande fraîche et de qualité supérieure. Maintenant, un peu partout au Québec, on demande les produits Besson. Les produits d'une entreprise montée ici par des gens d'ici. Le plus fort, c'est mon père. Vas-tu me dire, maman? Savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça te paraissait qu'il allait tant aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, que le plus fort, c'est mon père. Une grande main d'applaudissements pour notre président d'honneur, M. Claude Besson, président de Salaison Besson.